Mais ce qu'on n'a pas appris, qu'on va faire aujourd'hui, c'est de jouer avec notre robot Timio pour faire des parcours en centimètres, en décimètres, avec des fractions. Donc, vous allez être capable de faire un programme qui va demander à Timio de faire un trajet, un parcours de un tiers, un quart. Un parcours, c'est la même chose qu'un trajet. Donc, vous allez d'abord faire des calculs et après, vous allez faire le programme. Le robot Timio que tu as doit avancer sur une distance de 30 cm. Est-ce que vous ne savez pas 30 cm? Oui. C'est comme quoi que tu as dans ton bureau? C'est comme ta règle. Et il doit reculer sur deux tiers de cette distance. On doit calculer pour savoir c'est quoi les deux tiers de 30. Donc, il recule. Et après, mais il recule avec la couleur verte. Il a avancé avec le bleu. Il va reculer avec la couleur verte. Puis avancer sur 3 sixièmes. 3 sixièmes de combien? De 30. Quand tu auras fait ça, tu vas trouver une fraction de la distance de 30 cm qui représente l'endroit où il est arrêté. S'il est arrêté, ça va être à 1/2, 1/3, 1/4, tu vas trouver la fraction. J'ai fait une activité de mathématiques avec des robots. Ça concernait les fractions. En fait, il fallait que les robots fassent des calculs pour faire correspondre une bande de fractions à une partie d'un tout. Les élèves devaient trouver un programme pour faire avancer le robot Timio sur une distance et puis trouver une fraction correspondante au chemin parcouru. Et ça a bien été, les élèves ont fait bien les calculs, mais puis ils ont fait le programme, ça a avancé, sauf que à la fin, pour trouver l'endroit où le robot était arrêté, et la fraction correspondante, ça a été plus difficile. J'ai trouvé qu'il aurait fallu mettre les visuels avec des bandes de fractions pour que les enfants puissent aligner le parcours fait par le robot avec la bande de fractions qui représente par exemple un quart, un tiers ou un demi. Donc, regarde, il a commencé ici, il est arrivé ici, c'est 30 cm. Il a reculé ici, jusqu'à... Sur le tapis. Il a reculé combien de centimètres? 20. C'est 20 ici. 20. Ici, il restait combien? 10. Hein? 10. On a commencé en faisant des calculs. Est-ce que pour faire ces calculs, ça a été difficile ou facile? Difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Facile. Qu'est-ce qui est difficile? Ok, tu lèves ta main, tu m'expliques qu'est-ce qui a été difficile pour toi. Là-bas. Quand on doit trouver la fraction, quand il est arrêté, on doit trouver la fraction. Toi, ce qui a été difficile pour toi, c'est d'identifier la fraction qui représente l'endroit où il est arrêté.